Donc, ici nous avons des fraises et du sucre de canne roux. Et aussi cachonade. Avec qui? À cachonade. Là, nous avons une fontaine du Clos, qui est des vins rouges. Nous introduisons l'opercule dans le. Et donc là, il va se produire un petit miracle. Ah. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ça? Un jacuzzi de fraises. Donc la fraise va se baigner pendant plusieurs jours dans la vinasse. Et va ça produire une macération. La macération va extraire les tanins et l'arôme de la fraise, ainsi que le sucre, et puis quelques petits secrets de fabrication.